Don't move. It's okay. What? It's over now. Relax. Ashley? What are you doing here? Hanging out, like couples do. We're not... You don't want me? Yes, of course. But what happened? They fell in love. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être qui essaie de nous attirer là? Bah, peut-être Hackers du coup, parce qu'apparemment Hackers est un. Ok, je peux balayer. Est un méchant. Bien voir, hein. Ouais, donc, du coup, c'était juste à côté. Mais pourtant, sur le plan, il me semblait que. Que Theta était quand même un peu loin d'Omnicron, mais bon, après, c'est un plan, c'est vrai que. Hop! Allez! On va pouvoir rentrer dedans. Et après Omnicron, il restait. Oh, comment ça s'appelait? I? Phi et. What? Je l'ai pas vu lui? Ah bah, c'est que ça y était pas en fait. D'ailleurs, je suis arrivé par. Je suis arrivé par là. Je sais même plus. J'ai pas vu ça. Bonjour? I'm fucking open! And nobody's answering to anything! What kind of cold-hearted motherfuckers would just leave us out here to die? Don't you get it? They're dead. They're all dead. Yeah. You're right. How can you be so calm about this shit? We are dying! How much air have you guys got? 20 minutes. Tops. Hey, I'm in red! Seconds away before the CO2 gets me. Stresky. Why wait, right? I'm the master of my own fate. Wait, Stress, what are you doing? Ok. Bah des trucs rouges sont là. Donc j'arrive de là. Bah je l'ai pas vu en fait. Non, j'étais face à l'échelle. J'étais face mais pas du bon côté. Perdu. J'ai l'impression que c'est même pas du tout la même zone. Ok, bon, on va suivre les lumières. Et on va. Non, je suis arrivé de là. Oui, voilà, je suis arrivé comme ça. Ah oui, donc non, je l'ai pas vu. Ok. Il y a un petit robot. C'est un gentil lui, c'est pas un suck. Salut mec. C'est vrai que j'aurais pas l'électrocuté celui-là non plus. D'ailleurs, il dit, on l'a pas revu. Hein. Après, il était pas si cool avec nous quand même depuis qu'on a tué l'autre. Omnicron. Omicron is in quarantine. This is why they didn't answer our call. Hello! Christ, Strasky, it's called a radio. They're not gonna hear you better if you scream. Jonesy, you okay? Look, I know you're the strong silent type, but I need you to say something every now and then so I know you're all right. Jonesy? Jones. Open up! Fuck's sakes. Let's try the annex again. Maybe we can break in. We're losing Jonesy. We need to get her inside. Well, get in line! Alvaro, there's nothing we can do for her right now. Hit the stasis switch and let's check the annex. Ok, donc ça c'est Jones. Décédé, et là-bas il y a Starsky. Ok. Et à l'intérieur, bah c'est soit Alvaro, soit le mec. Ok. On sent qu'on s'approche de la fin quand même, on commence à voir tous les cadavres. Là, très bien, mon petit sas, on connaît. Vraiment? Vraiment? Ok. Fuck. C'est moche. Très bien, bah écoutez, on va essayer de trouver une. À descendre par là. Hein. Salut mec! Ok, parle pas celui-là.
Alors, est-ce qu'il y aurait une entrée alternative? Oula. Ah ouais, j'ai sacrément confiance là quand même. This had better be the right way. Pourquoi il y a des parasites? Une bestiole? Bestiole sous l'eau. C'est vrai qu'on a pas eu... C'est vrai que sous l'eau on est, bah, on est à l'abri, mais... On va par les petits sucs là, mais... Ah! Par là ou par là? Là ça m'inspire pas. Non! Va-t'en! Va-t'en vite! Clique! M'inspire pas par là. Ok. Voilà. Ok. Super d'arriver qu'il y ait un cadavre direct. Oh. C'est qui ça du coup? Ah, j'arrive pas à les... J'arrive pas à les écouter eux. Escalier. Et... Wow. Confinement global actif. Ah oui, j'ai juste désactivé la porte en fait. Enfin, réactivé la porte. Et encore le sas, de toute façon, marchait pas. Ok. Dans le doute. Très bien. Bon. Et bien, on n'a pas le choix. Hein. On a monté l'escalier. C'est vrai que le dernier escalier qu'on a vu... Il y a un truc qui m'a empalé, donc... Respire, respire. Respire, Simon, respire. Crise cardiaque avant la fin, en fait. Enfin, mon personnage veut faire une crise cardiaque avant la fin. Ok. C'est stylé, je trouve. Fermé. Là, c'est quoi? Et quoi d'autre? Y'a un autre. Je me juge. Okay, je crois qu'on vient de voir Hackers. J'ai l'impression qu'on vient de le voir. Pourquoi ils veulent pas que je fasse des choses? Ok. Merde, c'est déjà ouvert. Déjà ouvert. Oh la vache. C'est de plus en plus sombre. Hein. Medical Bay. Par réflexe, j'éteins la lumière parce que. Tant la grande tige, on a compris que lui c'était juste le son, mais ça se trouve, il y a des trucs, ça va être la lumière donc. C'est pour ça que je garde le réflexe. Ok. Là c'est verrouillé, mais c'est pas grave, je suis déjà dedans. Et là, je m'en vais. Oh, j'aime pas les longs couloirs comme ça. Ah, j'aime pas les longs couloirs comme ça. Ok. Vous entendez? Ah, c'est parti. Il y avait des petits murmures
de l'infini. Ah. Is this Omicron? Everything is so basic, so limited. I hope it's not the Omnitool falling apart. Okay, we need to find you a power suit. You know, so we can go into the abyss without ending up like a recycled can of soda. Wait. You think we'll find one that fits me? I mean, I'm kind of in a suit already. That's been bothering me too. You know how you were transferred from Vancouver? Toronto. From then to now. How could I forget? Okay, so we do it again. You want to send me to the future? No, you idiot. I want to transfer your mind into a new body. What? Look, we already know it can be done. We don't need to make it a big deal. It is a big deal, Kath. It's a huge fucking deal. There's got to be something else that can take us down there. But Dunbata Theta was the only vessel that could take that pressure, and you saw what happened. Then think of something else. Simon, please. You don't have to switch this instant. Just play along for now. If we find something else, then great. If not... I'm not promising anything. Thank you, Simon. Have a look around the room. This is where they would keep the power suits, if there are any left. Ok. Hey, il nous reste une. C'est cool. Wow. Ok. Ah. I found one of the power suits. There's a dead woman inside. At least I think it's a woman. Hey, Albert. Just like the body we found in the annex. She's missing her head. Gross. This could work in our favor, though. Look for a terminal nearby. See if you can boot it up. Ah, ça lui a arraché la barre. Dégueu, quoi. Ok. Dégueu. Alors, CCH, combinaison cybernautique haute pression garantie pour résister des températures extérieures comprises entre 50 degrés et moins 75 degrés, tout en maintenant le corps à une température inférieure de 40 degrés, par défaut. La combinaison protège automatiquement son occupant de la pression et le maintient à 1 ATM, je ne sais pas ce que ça veut dire, jusqu'à 5 mm de profondeur. Le dispositif de contrôle intégré surveille la condition physique de l'occupant afin de minimiser les risques de choc, d'hyperventilation ou de déshydratation. Ok. La combinaison s'assemble facilement en faisant pivoter les anneaux du cou et des et des poignées conçues pour fixer le casque et les gants. Notez que les articulations ne se verrouillent pas tant que le dispositif de contrôle n'est pas en mesure d'identifier un occupant via un ensemble de systèmes sensoriels. Les combinaisons peuvent être attribuées à des membres spécifiques du personnel, mais par défaut elles s'adaptent à n'importe qui. Parfait. Et le dispositif de contrôle est un ordinateur intégré qui surveille le pouls, l'activité cérébrale, la température corporelle et le stress par conductance cutanée. Il utilise ces informations pour assurer la sécurité de l'occupant et de la combinaison. Ok. Ok. Donc là on est là. Climber. Ok. Donc il y a quelqu'un qui a Climber, c'est ça? Activation, donc du coup la D. Il y a un cadavre dedans, mais... Ah. Not exactly grade A material. Don't write it off just yet. Remember what we found out at Theta. The suit you are wearing is basically just a Cortex chip working a few pints of structure gel, powered by the on-suit battery pack. And a dead colleague, Imogen Reed. Exactly. If you think about it, we're actually incredibly lucky. We found a suit with an already dead body inside. I guess you're right. What about the wow? What makes you think it'll play along? It's not magic, it's algorithms. A set pattern. The WoW won't be able to deny us, even if it was capable of wanting to. I'm still not crazy about this plan. It feels wrong. Please, Simon, I can't give up on the Ark. I need this to work. So we need a Cortex chip, structure gel, and a battery pack. That's one hell of a shopping list. Thanks. I'll just hang around here if that's okay. I'll be back. Okay. Et sauf qu'il me faut le truc pour aller dans, dans ça, ça. Plus jamais ça, Catherine. Ok. L'équipe prend les dégâts. Ok. Alors, combinaison cybernautique. Oui, bah ça, c'est ce qu'on avait lu. Comment ça marche. J'espère Catherine, Ivaskin, Alan. Ok. Un autre truc. Ok. J'ai même pas écouté batterie.
Batterie et batterie. Ok. Parce que là c'est jaune, mais si j'appuie je meurs en fait, parce qu'il faut la... Il faut la combi. Je peux pas appuyer. Très bien, bah écoutez, on va aller chercher C'est quoi déjà? Tu peux me faire un petit rappel? Come on, we need to get a Cortex chip, a okay. Battery pack, and some structure gel. Sur le coup. La batterie, les piles pour là que ça marche et du gel. On se le met dans l'oreille. Ok. Ok, ok. Ah, tout est ouvert maintenant. Medical Bay, on pourrait peut-être trouver du gel ici. Ok. Oh, non. Les radios. Il y a un respirateur, je sais pas qui c'est. Personne, d'accord. Ouais, je check les poubelles. Des gélules. Là, c'est ouvert. Ok. Storage. Il doit bien y avoir des batteries là-dedans. Il doit bien y avoir des batteries, close. Non. Ok. Ok. D'accord. Ah, si on trouve rien dans le storage, pas l'intérêt du storage. Ok. Là, c'est Medical Bay. Fin. Là, c'est verrouillé. Oplostet, Jacob Alperin. Un oplospète orange anormalement calme a été découvert près de la sous-station Omnicron. Il présentait une remarquable excroissance osseuse qui semblait influencer sa perception. Je l'ai capturé pour l'étudier, mais il n'a pas survécu. Pendant l'examen pour Smurtem, il est revenu à la vie alors qu'il était hors de l'eau. Comme il a continué à se tortiller pendant quelques minutes, je l'ai remis dans un aquarium. Il a alors commencé à se cogner contre les parois en verre, tellement fort qu'il était mort avant que j'aie le temps de le ressortir. Ok. Mort à l'arrivée. Darby et Waldeck pensent que c'est lui qui a saboté la sonde lunaire à environ 900 mètres de profondeur. Il s'agit d'un centre lof noir de 150 cm de long qui semble avoir fusionné avec un autre poisson ou un requin. Vous sentez que c'est ce qu'il y a dehors là qui nous a fait peur? Enfin, qui nous est des ondes? Nous n'avions encore jamais vu une mutation aussi effrayante. Manifestement, la situation va de pire en pire. Il y a une origine à tout ça et je ne crois pas à la théorie des retombées radioactives dont Orvary nous rebat les oreilles. Johan Ross, mort à l'arrivée. L'homme retrouvé mort à bord du Climber ce matin a été identifié. Il s'agit de Johan Ross, le psychologue d'IA qui travaillait à Tau. Je ne préfère pas savoir ce qui s'est passé dans les abysses et il n'est pas question que je prenne le risque d'y retourner et de perdre des hommes. Si les membres de l'équipe ARC sont vivants, ce qui m'étonnerait, ils vont devoir trouver un moyen de nous faire signe. Pas question qu'on ait une descente sans raison valable. Ok. Ok, pourquoi j'ai eu un truc gratos là, dans ma gueule? Mais attendez, parce que là je reviens au début en fait. Monsieur? What? Pourquoi je commence à avoir peur des cadavres maintenant? Parce que là... Il y avait quoi? Je me souviens même plus en bas ce qu'il y avait. Alors... Dive room, robot repair, dispatch. Ah mais je suis monté parce que j'avais pas le choix. Ah j'aime pas ça quand on revient dans des endroits qu'on connaît. Ok, c'est ouvert maintenant. Parce que là c'est le début. Ah non, mais non. Ah non, oui, c'est toujours été ouvert. Ah. Là, je suis là. Ouais. Là, c'est verrouillé. Workshop, pomme. Ah, mais tout ça, c'est fermé, en fait. Merde. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Thank you.
Ah, tout est ouvert, mais... Du coup, il y a encore un niveau... Non, c'est trop, là. Hackers, arrête, c'est pas drôle. C'est pas drôle, frérot. Moi, je viens juste essayer de sauver les gens. J'ai pas vu, les... Moi, je pense que je vais pas pouvoir... Ah. Il a bougé, en fait, il était là. Ok, bonne ambiance. Alors, c'est le moment où il va falloir trouver quelque chose et je vais être aveugle. Bien sûr. Parce que s'il y avait rien dans le comment? Dans le dans la salle de storage, un peu là où on est censé trouver des trucs, donc. Ok. Mais du coup, il y a encore un étage en haut. Ça, c'est l'intermédiaire. Le truc qui est verrouillé, là, c'est verrouillé. Là, c'est verrouillé. Là, c'est verrouillé. Ok, donc là, je suis là. Ok. Mais l'escalier est derrière. Mais l'escalier est bloqué, du coup. Il est ici, l'escalier. In room, c'est ça? C'est pas écrit. Bon, je monte. Dive room et medical bay. Dive room... Ah non, mais même pas. Mais comment ça? Dive room et medical bay. Deep diving. Medical Bay. Ah ouais, mais ça s'appelle pas pareil. Bah super, du coup. Ça va être pratique pour chercher les trucs. Ah là, y'a que des gélules, quoi. Y'a que des gélules. Des extincteurs. Là, y'a rien, je peux pas y aller. Là, c'était juste plein de petites gélules. Là, c'est pareil. Ok. Là, il y a des tenues, des chaussures, mais ça m'intéresse pas. Là, ça mène au même endroit. Là, c'était le storage. Il y a vraiment rien dans le storage, là. Quand même, c'est le principe d'un storage, quoi. Donc, Là, il y a vraiment rien, quoi. C'est débrouille-toi, quoi. Non, de la tech. Ah, ça se trouve c'est juste là-bas en fait. Mais comme elle a rouvert, je me dis que c'est derrière moi, mais... Ça, ouais. Là, elle est quasi... je pouvais pas ouvrir. Alors, faut que j'aille dans le sas. Bon, je vais tenter, hein. Mais je pense que ça me tue, hein. Après, c'est vrai que j'ai pas ouvert les autres. Je pense pas qu'il y ait grand chose dedans, quoi. On laisse ouvert. Là, je peux rien y faire. Hein. Non. Pas un endroit où il y a. Non. Là, je peux pas y aller. Bah, j'ai check partout en fait. Bah, écoutez, on va faire ça. Hein. Ah mais non, parce que là il faut le mini tool. Ah donc c'est bien derrière. Ah c'est fou, j'ai l'impression d'être idiot quoi. J'ai checké partout. Enfin il y a un autre étage mais l'escalier il est fermé. Il est derrière le truc. L'escalier il est... C'est derrière la porte rouge là. C'est là, je peux pas y accéder. Bah ouais. Ah peut-être des trucs à débrancher. Ok. Parce que là il y a le plan et ouais mais... Ouais je peux pas... Ah ou c'est qu'on annule les lieux.
Donc là, j'annule le niveau supérieur. Ah, putain, d'accord, c'est ça. What? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, ok, faut que j'active tous les trucs? Ok, c'est ça, c'est par vôme. Ok. Ah, je suis dans le... Ok, donc c'est ça. Donc du coup, là, tout est ouvert? Non. Ok, j'ai ouvert le... Si, là, il y avait quoi qui est... Non, ça reste fermé. Maintenant, je peux aller à l'étage supérieur. Je vais peut-être aller voir l'autre côté, du coup, avant. Oh, des trucs partout, c'est gigantesque. Oh! Échantillon prototype là. Ok. Et qui sont vides bien sûr. Ok. Batterie, gel et une puce. Oh. Ok. Seringue dans les côtes. Ah, du soin, ça c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Ok, rien ici. Ouais, bon, faut que je remonte, hein. What? C'est l'ascenseur, mais c'est quoi, c'est quoi là? Oh, merde! Ça va à quoi ce bouton là? Parce que là, je monte pas en fait, je suis juste dans le même. Ah non, d'accord, c'est que ça active. Ok. Et d'accord, ok, ok. Verrouillé. Ouais, je voulais voir si je pouvais lui parler ou quoi. Enfin, lui parler, ouais. Avoir des informations. Ok. Toujours rien trouvé, hein. Ouh, c'est quoi ça, cette carte? Les cartes à jouer? Alors, qu'est-ce que ça te voit là? Il y a deux. Ok, c'est le truc qui est derrière nous, du coup. Ok. Garde cette barre, hein. ATH, gel structurel, tester la formule. Idéal. Choc systémique. Ok. What the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Alors, connectivité. Lisa Cameron. Le gel structurel a été chargé et continue à agir un moment, même après avoir été retiré d'une source d'alimentation. Lorsqu'il est appliqué à des circuits, il semble favoriser la connectivité. Ok. Fonction. Outre la connectivité, le gel semble aussi agir sur la fonctionnalité. Il alimente des appareils simples et renforce leur efficacité. Mais les modifications apportées au gel par le WoW regorge d'informations supplémentaires, pas toujours pertinentes. Lorsque le gel...
Lorsque le gel est appliqué à un appareil plus complexe, il agit comme un cancer sur l'hôte et finit par le détruire. Nous pourrions utiliser le gel à notre avantage, mais il doit être désétalonné pour éliminer le code défaillant. Ok. Pathologie. J'ai administré du gel à une souris morte qui est revenue à la vie. J'ai ensuite placé celle-ci dans la cage d'une souris vivante. La souris réanimée était apathique, tandis que l'autre individu semblait stressé. Au bout de 15 minutes, la souris réanimée a attaqué et tué sa congénère. Une demi-heure plus tard, la souris réanimée a cessé de bouger. Son cadavre était solide car le gel avait durci. Progression. J'ai réanimé une autre souris avec du gel structurel. Cette fois, j'ai utilisé le gel désormais produit par Ernst. Les résultats ont été particulièrement impressionnants. Le spécimen semble catatonique, mais c'est plus qu'un somnambule. Pour éviter qu'il durcisse, des électroaimants font circuler un faible courant électrique dans le corps de l'animal. Cela nous a également permis d'exercer un certain contrôle sur lui. Ok, donc on a eu prendre le gel, arrêter waouh. Je sais pas qui nous parle, mais... Analyse chimique. Fondamentalement parlant, le gel structurel reste inchangé. Il s'agit toujours du gel réticulé avec graphène aligné dans une matrice polyinsaturée qui a été installée sur Pathos 2 il y a quelques années. Nous souffrons. Le problème, ce n'est pas le gel, mais celui qu'il contrôle, le waouh. Les propriétés du gel sont les mêmes. Le waouh se contente de l'utiliser sous des formes auxquelles nous n'aurons jamais pensé. Des preuves accablantes nous permettent de conclure que toutes les créatures mutantes, les poissons, les requins et même les assistants, ont été manipulés par le WAO au moyen du gel structurel. D'une manière ou d'une autre, ils ont tous été exposés à du gel chargé, puis victimes de tumeurs cancéreuses qui ont envahi tous leurs organismes. Et tout a commencé peu après l'impact de l'astéroïde. Je ne peux affirmer avec certitude, écoutez-moi, s'il s'agit d'un code défaillant ou d'un acte prémédité, mais notre survie risque de se compliquer. Et je vous écoute, hein. Je ne sais pas qui vous êtes, mais si vous pouvez m'aider, moi ça m'arrange. Hein. Moi je suis un gentil hein. Je suis un gentil. Ok, oh j'ai le gel là. Ça c'est du gel ça frérot. Ok. 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 Bah du coup j'ai la puce. Il y a un truc là. Mais ouais mais je veux le gel. C'est quoi? C'est ça là qui vit là? Je comprends pas. Là c'est fermé là. Il y a un gros bouton rouge pourquoi. Cellule 1. Dispense gel. Ok. Ah c'est ça qu'il voyait. Ah genre je mets le gel. Alors vas-y on va mettre sur la souris là. Ah non d'accord ça bouge là. Et ça me fait changer de... Non. Je peux pas changer de cellule. Du coup je mets ça où? Oui mais encore. What? C'est sorti de là. Ah. Ok. Non. Ah. Came back to life. Or something like it. Pas une puce du feu justement dans lui là. Ah mais du coup, on met-y un coup dans sa gueule là. Est-ce qu'il y a un truc que je pourrais mettre là-dedans là? Est-ce qu'il y a un truc que je pourrais mettre là-dedans? Tu veux vraiment pas ouvrir lui? Bah y a ça mais je peux pas le prendre.
Ah mais ce que je viens de ramasser, peut-être que si je l'ouvre, il va vouloir le placer. Voilà, parfait. Ok. Ok. Peu. Ah, trop. Ok. Et du coup, ça va redonner vie au système en fait. Ok, huge. Ok. Parce qu'ils sont là pour m'aider, donc du coup. Ok. Parfait. Ok, on a le gel. Ok, on a un truc. Ok. C'est fou. Du coup, je pense que là, on est bon. Du coup, batterie et la puce. Batterie et puce. Ok. Mais pourtant, je pensais que l'escalier était là, mais pas du tout, en fait. Il veut m'aider en fait. Mais c'est flippant quoi. Après, il peut pas dire je vous vois aucun mal. Donc là j'étais où là? J'étais. Là, hydroponics? Ah non. Biologie? Ah non, c'était derrière. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Dive médical, donc là c'est là d'où on vient. Il y avait absolument plus rien. Là j'en viens. Ici il y avait que dalle. Ce qui est bizarre mais. Mais il y avait que dalle. Donc là on est bon. Enfin il y a un cucu quoi mais. Ah peut-être que justement je vais me mettre dedans et ils vont m'aider. Ah non j'ai cru que. J'étais en mode. Attends, ils étaient pas vides tout à l'heure. Ok. Mais du coup il reste un étage. Mais ouais mais je peux pas y aller à cet étage en fait, c'est ça qui me. Ok, ça s'est ouvert. Là. Mais il est là l'escalier. Non, c'est descend. Où du coup? Ok. Déjà, on va checker ici. Ce mat beau là. Je sais pas ce que c'est, mais. Ok. Ça fait des tests ici. Oh. Il y a des cartes, ouais. Ok. Solubilization. Do you think we could break the aggregate and structure gel without flattening the configuration? Jesus, that was a mouthful. You've been listening to Cameron, that's for sure. What do you want, Raleigh? Can you blame me for trying to figure this out? I've been having the dreams too, you know. I don't know what to believe. Oh, I know. Everything from the sudden signal amplification in black boxes to having a comatose Dr. Ross locked up in the glass jar. We've all been going a bit nuts. Tell me about it. Feels like my head's about to explode. Hypothetically speaking, could we stop the WoW from mutating? It doesn't work like that. Even if there was a site alpha? Hypothetically speaking, I guess we could try. Really? Are you recording this? Sorry. Ok. Par contre, ce Bouddha est effrayant. Vraiment effrayant. Ok, bon, il n'y a que dalle ici. Et bon, on va aller là-haut. Hein. Puis la nausée. Hein. Après, ils ont l'air ok ici, donc. Aidez-nous, donc ils vont pas me tuer. S'ils veulent que je les aide. Ok. Medical research. Ok, ok, ouais. On peut aller par là. Là, c'est verrouillé. Ah, bah voilà, dernier étage. Tout est rouge. Annulation. Du coup. Ouais. Ok, donc là, j'annule. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire?
Ok. Il y avait rien à faire. Ok, c'était efficace. Dining hall, main entrance. C'est pas que c'est ici qu'on va trouver des choses, mais. Ok. Bonjour. Ok. Très bien. C'est un. Ok. Très bien. Ah, c'est vrai que s'il y avait une batterie ici, ce serait quand même. Ok, il y a un mec mort. En espérant qu'il ait quelque chose dans la. Dans la main. Bonjour, monsieur. Ouais, je peux jamais en fait. Je peux utiliser l'ordi ou pas? Non. Il était en train d'écouter des enregistrements. L'enfer. Ah si, mais y'a que dalle en fait. Dans le dining room, c'était sûr, mais bon. Et là, on a quoi? Ah! Power room. Il va y avoir une batterie là quelque part. Y avoir une batterie. Jerrycan. On est pas une ça? Casque. Oh, y'a que dalle. Y'a que dalle! Vas-y, mais. Power room. Y'a un chargement. Pas bon signe ça. Oh wow. Oh, you good? Je peux pas. Ah. Oh. Pas mort en fait. Ok, il y a quelqu'un. Alors. Batterie énergétique. Bloc rechargeable au soufre. Ouais ouais ouais. Ok. Il y en a pas quoi. Ok. Ça c'est que ça. Je vais pas allumer. Je vais pas allumer parce que je sais pas si ça a peur de la lumière ou quoi. Oh, y a plein d'obstacles. Objectif. Regarde ici. Ça va pas bouger en tout cas. Là, je vais me faire bouffer en fait. Madame? Madame? Je veux juste prendre les batteries. Hein. Okay.
si concentré. Ok, on a les batteries, on s'en va. Hein. Ça veut dire qu'on se casse dehors. Et du coup, il reste plus que la puce. Allez, tu reviens. Ok. Empoisonner le puits. Ah mais il y a là où je suis allé. Wow. Ok. Et peut-être. Bon. Rien quoi. Très bien. Merde, c'est verrouillé. Est-ce que quelqu'un a une puce ou pas? Non, personne n'a une puce. Juste ça quoi. Après il y a celle qui m'a permis d'ouvrir le... Oh, merde, pas ce que je voulais faire. De prendre le gel mais je pense pas que... Je puisse se réactiver ou quoi. Ok, ah il manque la puce. Mais si, mais là je suis pas allé du tout là encore. Mais si, c'est là d'où je viens. C'est l'escalier, du coup je suis allé là. Là il y avait rien et là-bas il y avait la meuf avec la batterie. Ah du coup il me manque juste le... Ok. À moins que je me dis que je l'ai. Ah non, parce que je l'ai mis dans le truc. Je sais pas. Y'a plus le cadavre.